Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes également accrochés pour cette nouvelle vidéo j'ouvre vos cadeaux alors que pas du tout, non. Les vidéos, les situations. Alors pour commencer, je vais vous montrer. Voilà, donc je vais offrir 25 cadeaux à Louloute 2234. Voilà, je rappelle que de temps en temps maintenant, au début de mes vidéos MSP, j'annoncerai de temps en temps une personne que j'aurai tirée au hasard dans les commentaires sous mes vidéos MSP pour offrir 25 cadeaux. Donc voilà, n'hésitez pas à glisser votre pseudo Movistar Planet dans vos messages, dans vos commentaires. Je choisirai de jolis petits messages. Voilà, donc ça c'était sous une vidéo, j'ouvre vos cadeaux. Et je vais lui envoyer 25 cadeaux. Voilà, on va retourner on va commencer par les images. C'est parti. Alors dans cette première image, je l'ai pas fait. Sur la base de ton signalement, l'utilisateur Lucie a reçu un avertissement ou a été banni. Merci pour ton aide. Ah, c'est pas très gentil, hein. Mais si tu l'as pas fait, c'est quand même bizarre. Est-ce que tu penses pas, est-ce que tu es la seule qui a accès à ton compte? Est-ce que tu ne penses pas que ça aurait pu être quelqu'un qui a utilisé ton compte et qui l'a signalé? Sur cette image-là, la personne qui me l'a envoyé m'a dit « Regarde mes yeux et ma bouche, c'est trop bizarre, je n'ai pas ça sur Movistar Planet. » Alors, je pense qu'il y a moyen quand même d'acheter ça, non? En tout cas, on dirait du ketchup ou bien ou bien tu saignes des règles des yeux et de la bouche. C'est très bizarre. Oh ben, désolée. Dans cette image, on peut constater qu'il y a une animation qui s'est fait la balle. Elle s'est barrée. Alors là, je pense que le souci, c'est au niveau des onglets. Vous remarquerez que l'image des onglets, elle a disparu. Là où normalement, il y a marqué les pauses, si c'est trucs d'horreur, barjo, machin, etc. Il y a tout qui s'est barré. Là, je vous avouerai que vu que c'est la version de téléphone, j'ai eu un peu plus de mal à trouver. Mais je pense que c'est parce qu'il y a deux fois la même pièce de Jordan dans le top pièce au lieu d'une seule fois. Alors cette image, ça m'a quand même fait chelou. Alors on voit pas tout le pseudo, peut-être que c'est un montage, ça peut être un montage, je sais pas, parce que c'est chelou, c'est coupé juste là. C'est bizarre, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais bon, je pense pas que ce soit un vrai modo qui ait écrit ça. Bonjour, vous êtes niveau 15 VIP, on le sait. Mais moi, Movistar Planet et l'équipe, nous devrons te bannir à vie parce que ça fait un mois que tu respectes pas les règles. Donc maintenant, arrête de faire des bêtises et respecte les règles. Merci de nous écouter, Movistar Planet et toute l'équipe. Non, ça doit être, je pense que c'est un montage parce que franchement, écrire comme ça, lol. Et puis le look, je sais pas si ça vous parle, ce look de modo ou pas. Enfin bref, c'est très chelou, mais non, je pense pas que ce soit... Non, j'en suis même sûre que c'est pas un vrai modo qui a envoyé ça. Et pour la dernière image, avant de passer à vos situations écrites, cette version de Movistar Planet est dépassée. Nous avons fait une mise à jour sur Movistar Planet. Tu la veux, tu seras déconnecté, oui ou non. Mais ça c'est... En fait, je vois pas... Je pense que c'est sur la version PC, on est d'accord? Alors je sais pas, c'est peut-être effectivement à un moment donné où il y a eu une mise à jour et ça a déconnecté. Mais c'est vraiment bizarre. Moi, si vous avez déjà eu ce message là ou pas. Moi, je l'ai jamais vu personnellement. Et c'est vrai qu'il fait un petit peu peur. Avec le petit smiley, c'est flippant. C'est pas censé être flippant avec ce smiley, mais ça l'est. Salut Quinzel, je m'occupais de mes pets. À un moment, je le nettoyais et là il a plus de yeux. Et maintenant, il a plus de yeux, mais ça me perd. Mais genre, il a vraiment plus maintenant jamais des yeux. C'est-à-dire que même maintenant, il en a plus. Je t'adore, juge, j'ai un concours de Audrey. GG à toi et merci pour ta situation. Là, c'est vrai que si ça continue, il faudrait que tu contactes le support, quoi. En fait, j'avais un compte nommé Sienna Juju 2 et je venais de passer niveau 11, donc j'étais trop contente. Je me déco normal et le lendemain, je vais pour me déco reco, je pense, et je n'y arrive pas. Erreur de passe, je réessaye une deuxième fois, j'ai réussi, je change mon mot de passe, toute confiante, et je me déco le lendemain. Je me reco et je n'y arrive pas. Je réessaye plusieurs fois et je n'y arrive pas, donc je suis littéralement dégoûtée parce que pour moi, avant niveau 11, mais ça c'est notre histoire, voilà, j'espère que tu t'auras plu, ne lis pas le premier message. J'écrirai pour que tu vois qu'il ne faut pas lire le premier. Aussi, si jamais tu ouvres ces messages, tu pourras me répondre juste un point ou un coucou. Merci, continue comme ça. En fait, je réponds pas parce que sinon ça va te remonter tout en haut de la liste. Donc, je ne réponds pas aux gens à qui j'ai déjà lu le message, etc. Faudra regarder directement la vidéo pour savoir si j'ai répondu. Mais ouais, non, mais après les erreurs de mot de passe, je sais pas, c'est chelou. Je sais pas si t'as regardé sur ton email si t'avais pas reçu ou même dans ta corbeille des emails si quelqu'un avait pas changé ton mot de passe déjà avant. Mais c'est vraiment bizarre, n'oublie pas de changer aussi le mot de passe de ton email si c'est le même que ton compte.
Et d'ailleurs, en même temps, j'en profite pour vous préciser que si vous n'êtes pas passé dans la vidéo en me laissant un message et que je l'ai déjà passé parce que vous voyez dans le fil, eh bien, c'est sûrement normal parce que soit c'est... Enfin, la plupart, 95%, c'est parce que j'ai déjà eu une situation similaire, voire exactement la même. Du coup, je le refais pas encore une fois. Voilà, voilà. Alors, avec une amie qui avait l'eau à 50k, on s'est mis en boost pour se l'échanger, on gagnait 5000 fame normal. Et à un moment, elle me l'a envoyé, j'ai gagné 150 000 fame. Alors, ça arrive des fois que les fame ne viennent pas tout de suite et qu'ils se cumulent et boum, ils arrivent d'un coup. Donc, je pense que c'est ça pour les 150 000 fame. Et j'ai acheté en février un mois Star VIP et le mois d'après, ça me l'a remis sans que je paye. Et le mois suivant, jusqu'à avril, je t'en avais déjà parlé sur Discord. Alors, ce qui arrive aussi souvent, c'est que bah, moi, je l'ai jamais fait, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais apparemment, plusieurs d'entre vous me l'ont déjà dit. C'est possible que l'abonnement se renouvelle tout seul si vous avez coché un truc à un moment donné ou je ne sais quoi. Et c'est possible que l'abonnement, du coup, s'est renouvelé pour toi. Donc, voilà. Un jour, je jouais sur mobile en buguant beaucoup et j'avais 3000 starcoins. Vu que ça buguait, ça me déconnectait. À chaque fois que ça augmentait mes starcoins et c'est monté jusqu'à 25000 starcoins. Voilà. Alors, c'est déjà arrivé à quelqu'un qui me l'avait déjà envoyé. Sauf que cette personne, au bout d'un moment, bah, s'était reconnectée et ses starcoins étaient redevenus normales. Comme. Voilà. Donc, je sais pas si toi, après, ça s'est revenu à la normale ou pas. Je n'ai rien à raconter à part qu'il y a un monstre noir qui m'a attaqué durant que j'étais aux toilettes. J'ai besoin de Madame Toilette, je n'arrive pas à prendre rendez-vous. Peux-tu prendre rendez-vous pour moi, please? Thank you for your aid. Oui, je suis désolée, Madame Toilette est un petit peu occupée en ce moment, mais vous inquiétez pas, elle revient très très vite. En fait, un jour, je joue à MSP et je vais dans une salle de chat plage. Et un mec demande qui veut être ma meuf. Moi, je dis oui, du coup, il m'a demandé en ami, en petit copain. Et je l'ai accepté, donc après, il m'a dit la robe rouge, me réchauffe et plein de trucs dans le genre, du coup. Après, il m'a dit qu'il voulait... Il m'a dit qu'il voulait savoir où j'habitais. Je lui ai dit non. Bref, c'était vous. J'espère que tu monteras en vidéo. Sinon, j'en ai d'autres. Je te raconte quand tu veux. Coucou YouTube. Merci, je t'adore. Merci beaucoup. Et ouais, non, mais franchement, il y a des gens chelous comme ça. Il y en a. Il y en avait déjà avant, mais il y en a de plus en plus. En plus, ouais, non, franchement, faites super attention. Ne donnez jamais vos infos personnelles, encore une fois. Ne dites pas où vous habitez. Ne dites pas votre vrai prénom. Ne dites pas votre âge sur le jeu. Pour votre sécurité. Et n'hésitez pas directement, dès qu'il y a une personne comme ça qui est un petit peu chelou, qui va un petit peu trop loin, qui dépasse les bornes, pensez directement à bloquer la personne et ne cherchez pas plus loin. Donc t'as très bien fait de ne pas lui répondre. Bonjour 15S, situation triste. Alors moi je connais une fille qui s'appelle, ça fait 4 ans d'amitié, donc je lui ai invité à jouer sur MSP. Voilà, elle crée son compte, etc. Enfin, elle m'a demandé mon pass contre son pass. Je lui ai fait confiance. Bon, ça veut dire que tu la connaissais IRL pendant 4 ans. Je lui ai donné, je me suis pas connectée une semaine. Et hop, pass invalide et mes vêtements ont disparu. Voilà, donc je viens de dire, ne faites jamais confiance à quelqu'un, même si vous le connaissez, ça fait bien longtemps. Voilà, exactement, moi, votre place, je ne donnerai pas votre mot de passe. Voilà, tout simplement parce que... Voilà, j'ai rien à dire. Vous le voyez directement sur ce message. Je me suis connectée sur MSP et je vais dans le chat. Un mec me demande un ami, je dis oui. Et le mec me dit en privé, tu veux voir ma? Je lui dis non. Après, elle me dit, allez, j'en ai envie, etc. Je sais pas comment enlever les SMS, c'est très gênant. S'il te plaît, 15L, help. PS, j'aime trop tes vidéos ajoutées sur ton compte, mais je sais pas si tu le verras un jour. Bise, un petit citron. Bah, merci beaucoup. Et ouais, ça revient un peu comme à la personne tout à l'heure qui également avait eu un petit souci avec un garçon. N'hésite pas à bloquer directement la personne, cherche pas à lui répondre ou quoi que ce soit, directement bloquer ce genre de personnage malsain, voire même signaler avant de bloquer comme ça pour pas que ça se reproduise avec une autre fille, avec une autre personne. Et ben, des situations de pervers aujourd'hui, il y en a pas mal, hein. Situation mai 2015, j'étais dans la chambre à Popini et là un mec vient, il s'appelle Tony. Bon, après il me dit il y a des filles sexy sur ce jeu. Ensuite, je le signale, normal, puis il me dit « Pourquoi tu m'as signalé ?» Je lui réponds « Car t'as des comportements bizarres et puis t'as pas à dire. Imagine si tu étais tombée sur des jeunes de 8-9 ans. » Exactement. Même en général, même plus âgé que ça, franchement, ça se fait pas. T'aurais fait quoi? Elles ne connaissent pas ce mot et il m'a répondu « Mêle-toi de ce qui te regarde. » J'étais choquée, je lui réponds « Mais t'as un problème, toi. » Puis il me répond « Je vais te pirater. » Si tu continues, je lui réponds « Avec quoi? C'est pas possible. » « Monsieur, je te pirate, c'est impossible. Ok, donc va rêver. C'est un jeu pour enfants. » Ok, il est parti, j'avais oublié de préciser, il m'a parlé en message. Voilà, morale de cette histoire, ne jamais écouter ce genre de personne. Désolée pour les fautes, aussi je t'adore, bisous, j'espère que tu vas lire.
que tu vas le lire. T'aimes cette situation. Non, franchement, ouais, non, mais après, ouais, il y a beaucoup de personnes assez perverses sur le game. Ça, malheureusement, c'est assez difficile, voilà, c'est un fléau comme un autre, et bon. Voilà, heureusement, moi, j'en vois pas tellement que ça. Mais maintenant, vu que c'est les vacances, il y en aura quand même, je pense, pas mal pendant les vacances, avant que ça se recalme. Je vais sur MSP, normalement, comme un être humain vivant. Par contre, ça date. Hein. Et je vois quoi, zéro ami. Alors, je me découvre quoi, toujours zéro ami. Et c'était pas un bug parce que je les ai vraiment perdus. J'ai dû les redemander, les gens. Donc, je me rappelais et j'avais 283 ou 284, un truc comme ça, d'amis. Et ceux que j'ai redemandé en ami m'avaient dit qu'ils ne m'avaient pas enlevé. Ouais, bah, de toute façon, je pense qu'ils t'auraient pas enlevé. Parce que, bon, comme par hasard, 280 personnes qui t'enlèvent en même temps, c'est limite impossible, quoi. Donc, cette théorie ne tenait pas de toute manière. Mais ouais, ça devait être un bug. Tu t'as enlevé tous tes amis. Voilà pour la situation chelou. Sinon, je t'adore, 15 ans. Merci. Et est-ce que tu ne penses pas, est-ce que quelqu'un aurait pu le faire à ta place, genre se connecter sur ton compte et enlever tous tes amis pour te faire chier? Je sais pas, enfin, je dis ça comme ça. Après, bon, voilà, franchement, si le temps il avait du. Et si le Gugus il avait du temps à perdre, à enlever tout le monde en aide, puisqu'on peut, ça prend du temps quand même. Ouais, je sais pas, je sais pas. Et on va finir par le dernier bug. Ma situation, je venais de créer mon compte. Et tu sais, quand tu passes les niveaux, on reçoit des cadeaux garçons. Cadeaux de garçons, filles, cadeaux, ouais, je sais, ouais. Bref, quand j'ai reçu mes cadeaux, j'ai eu des cadeaux garçons. Et j'étais une fille, merci d'avoir lu et à bientôt. Ouais, ça c'est chelou par contre. Et du coup, après, t'as vérifié dans tes cadeaux, voir que c'était bien ceux-là qui étaient affichés. Parce que des fois, peut-être qu'ils ont affiché les cadeaux de garçons. Mais en fait, quand t'as accepté, t'as reçu un cadeau de fille, je sais pas. C'est peut-être possible. Enfin bon, il y a beaucoup de bugs chelous quand même sur le jeu. J'espère que cette vidéo Les Situations vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez envoyer une image, il faut l'envoyer à situation avec un S, msp@gmail.com. Donc situationsmsp@gmail.com. De toute façon, je le marquerai dans la description si j'oublie pas comme d'habitude. Et si c'est pour envoyer un message, vous pouvez l'envoyer sur les espaces situations au pluriel sur le jeu directement pour que je puisse lire votre message, sachant que j'ai déjà un mois de retard quand même. Va falloir peut-être soit que j'en fasse beaucoup plus des vidéos situation, je pense. Mais je filtre énormément les messages en ce moment. J'essaie de ne pas trop mettre les messages qui se ressemblent trop. Du coup, je passerai que les messages les plus originaux. Voilà, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao, ciao.